Bienvenue à ce temps de vigile d'ordination. Nous sommes 11 jésuites et nous serons ordonnés diacres demain, le samedi 20 juin, à 15h en l'église Saint-Ignace à Paris. Nous nous réjouissons de cet événement et nous invitons à prier avec nous et pour nous. Originaires de 10 provinces jésuites, nous partagerons avec vous la manière dont nous avons appris à servir à travers la compagnie de Jésus. Comme futurs diacres, nous ressentons des appels à servir auprès des exclus, à prendre soin de la création. Nous désirons partager notre foi avec d'autres et à cheminer avec les jeunes. Finalement, comme le rappelle la première lettre de Saint Jean, tout cela est une invitation à nous aimer les uns les autres comme le Père nous a aimés. Vous pourrez partager vos prières avec le hashtag Jésuite ou dans le chat. Nous vous souhaitons un bon temps de prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je peux demander une grâce pour ce temps de prière. Je peux aussi demander une grâce particulière pour les ordinaux et des vocations à la vie religieuse. Écoutons maintenant des témoignages des futurs diacres. Ils nous partagent dans leur langue maternelle une expérience de service dans les grandes étapes de leur vie jésuite. Iretimbi Aeke Baputu Bunju Bertrand, jésuite centrafricain. Mieti vungana ala, mbaitimbi ti novicia jésuite, somisalani na bafusam seseti Cameroun. Ngu se somisalani na novicia. Angba na yati betimbi, na yati gigitimbi, tonga na maseka jésuite. Na yati ngu useso, mbi manda, lege ti sambe lango nzapa, mbi oko. Na yati ngu useso, mbi manda, salango bubakwa ti mamboko. Ngu se ti novisya so, aekelani mbeni, dalokoro ti salango terekete na pekoti Yezu Kristo, wayere. Ngu useso, Akelani ngoeti gbungoli ti yokeketi kulusu ti mupeko ti gbia ti Yezu Kristo. Ti sala kwa ndali ti Eglise Mobimba na ti kompanyi. Yesu kwe ndali ti yango ireti nzapa na nduzu na ti songo azo na yati pasi. Bimuna la singila. Mbote. Kombo nangai mokonzi Cédric, moko ya bilenge okati ya lingomba ya ba Jésuites au mboka Congo. Botangi kelasi na lingomba ya ba Jésuites ezali penza eloko moko ya motuya. Yambo penza botangi kelasi ezali po na botindami. Pambate esengeli na mopalingini sango elamu, ayeko la malamu malamu asosola pe apesa biyano na makambima ye matali boyambi pe bopalingini sango, bobateli mokili pe bikela mobiso, bonsomi bwabato, bosembo pe bongo na bongo. Bongo nde akokoma moto ya tina po na eklesia mpe lingomba po ya mboka pe mokili mobimba. Bongo po na kosukisa, botangi kelasi olingomba ya ba Jésuites ekopesaka lolenge pe makoki ya bososoli pe koyanola mambi mina manso. Hello, I'm Jack Kraus from the United States, California, and as Jesuits, each of us receives a mission. We're sent by our superior to a particular place and a particular community of people, and where we work is called an apostolate. And fundamental for the life and mission of every Jesuit is this experience that places him with Christ at the heart of the world. And what I've learned in my apostolates over the last 10 years
particularly as a teacher in high school and as a chaplain to university students, are three things. First, come prepared. Second, listen closely and pay attention. Third, be ready to adapt and pivot. This is the way of Christ. This is what we see him do in the Gospels. Even with our best laid plans, the Holy Spirit often has other ideas for what the day is going to bring. By opening our eyes and our hands to what the Lord wants to offer us, change doesn't have to be scary, but rather an opportunity and something exciting. I saw the joy of the gospel every day in those students that I worked with, and that's a reason to hope for the future. இயேசு சபையில் குழும வாழ்வு எனக்கு கற்பித்த மேன்மையான பண்பு என்னவெனில், நம்முடைய தனித்துவம், பன்முகத்தன்மை, கலாச்சாரம், மொழி, இயலாமை என எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் இயேசுவின் தோழர்களாக ஒன்றாக வாழ்ந்து ஏழை எளியோர்களிலும் ஒதுக்கப்பட்டு புறந்தள்ளப்பட்டவர்களிலும் பாதிக்கப்பட்டு மனமுடைந்தவர்களிலும் ஆண்டவரை கண்டு அவருக்கு பணிவிடை செய்வதே ஆகும். நான் அழைக்கப்பெற்றது அவருடைய நண்பனாக நல்லிணக்க மற்றும் நீதியின் பணியில் அவரோடு உடனிருப்பதற்காக. இந்நீதி பணியை நான் முனைப்போடும் ஆற்றலோடும் உத்வேகத்துடனும் ஆற்ற வல்லமை தரும் ஊற்றுதான் என்னுடைய குழும வாழ்வு. குழும உறுப்பினர்களோடு நான் மேற்கொள்ளும் ஆன்மீக சிந்தனை பகிர்வுகளும் கரிசனையோடு கூடிய வழிகாட்டுதல்களும் தான் ஆண்டவரின் விருப்பத்தை என் முழு ஆன்மாவோடும் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் தேர்ந்து தெளிய உதவும் வழிகாட்டிகளாக இருக்கின்றன. நான் திசை மாறி அலைந்து திரியும்போது என்னை தேடி அணைக்கும் நல்ல ஆயனாகவும் என்னை தேற்றி என்னோடு பயணிக்கும் நல்ல மெய்ப்பனாகவும் இருக்கின்றது என்னுடைய குழும வாழ்வு. காலத்தின் தேவையை ஆழ அறிந்து இயேசுவின் வழியில் இறைப்பணியாற்ற உந்து சக்தியாகவும் அருமருந்தாகவும் இருக்கின்றது என்னுடைய குழும வாழ்வு. ஆகவேதான் இயேசு சபையின் பொது அமர்வு 36 குழும வாழ்வை, நாம் யார், நமது பாரம்பரியம் என்ன, நம்மால் என்னவெல்லாம் ஆண்டவர் பணியில் செய்ய இயலும் என்பதை அறியவும் அறிந்ததை வாழ்வாக்கவும் சிறந்த இடம் என வர்ணிக்கின்றது. De la première lettre de Saint Jean au chapitre 4. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Un instant, je fais mémoire de mes propres lieux de service, et je confie un lieu de service qui me touche particulièrement. Thank you.
Comme futur diacre, dans un corps apostolique, je ressens des appels à servir à travers les quatre préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus. Les exercices spirituels amènent la personne humaine à une expérience personnelle de Dieu trinitaire au plus profond de son être. Ils aident à découvrir et à vivre sa vocation personnelle en communion avec toute la création. En tant que jésuite de la province de Kohima, au nord-est de l'Inde, je me sens appelé à aider mes contemporains à découvrir leur propre vocation. Je désire qu'à Kohima, davantage de personnes puissent vivre les exercices spirituels à travers la mise en place de programmes ignatiens et la création de nouveaux centres spirituels. Ainsi, davantage de personnes pourront être formées à la spiritualité et à la pédagogie ignatienne. Seigneur, donne-nous la grâce d'être ouverts à ton expérience et à ton appel, afin que nous soyons un instrument de ton amour, de ta réconciliation et de ta paix. Anna Joseph Fauzi, jésuite من مصر من أسيوط إقليم الشرق الأوسط. جزويت في مصر بيشتغلوا في مجالات كتير مختلفة، التربية، الثقافة، الأعمال الاجتماعية والفقراء طبعا. في مصر عندنا في المنيا مركز كبير اسمه مركز جاد السيد، بيهتم كتير بأطفال الحي، بييجوا يدرسوا وفي متطوعين بيشرحوا لهم الدروس وكمان بيلعبوا، وفي بعض الأحيان بنقدم الأكل بيأكلوا وناكل معهم. كمان عندنا في القاهرة مركز المطرية بيهتم بالأطفال كمان ودروسهم، وفي حاجات مختلفة كتير. بنشعر في مصر أن العمل مع الفقراء في إنه في قلب رسالتنا، في أولوياتنا كيسوعيين. بنصلي من كل قلبنا لكل الفقراء في العالم والمهمشين، خاصة في مصر، إنه ربنا يمنحنا القلب المحب، إنه يجعلنا إخوة ليهم زي ما كانوا هم إخوة للرب. Depuis mon entrée dans la compagnie en 2007, j'ai poursuivi mon cheminement auprès des jeunes. Dans cet apostolat auprès des jeunes, les trois choses qui me réjouissent et donnent beaucoup d'espérance, la confiance, la patience et la capacité à travailler en groupe. La confiance que les jeunes ont entre eux et dans les accompagnateurs. Beaucoup de jeunes ont une patience remarquable, même lorsque les choses semblent ne pas bouger. Travailler en groupe demande une ouverture et une modestie. J'ai la joie de constater que les jeunes l'ont souvent prouvé. Chaque jour, de nouvelles questions et situations difficiles se présentent à nous tous, et en particulier aux jeunes. Parfois, nous ne savons pas quoi faire. À cette occasion, j'amène tous les jeunes devant toi, Seigneur. Bénis-les, protège-les, garde-les près de ton cœur et donne-leur ton esprit pour travailler ensemble. Qu'ils écoutent leur conscience et qu'ils discernent ce à quoi ils sont appelés. Être ordonné diacre dans le corps de la compagnie, c'est pour moi faire un pas de plus dans le sens du service. Et l'idée de travailler avec d'autres pour la sauvegarde de notre maison commune me parle tout particulièrement. D'abord, j'aime bien cette idée concrète de maison commune. Dieu passe par cette réalité belle, pleine de ressources mais limitée, pour nous apprendre la fraternité. Et du coup, servir le monde, pour moi, c'est en tenir compte, c'est apprendre à vivre en frères les uns des autres, changer nos modes de vie, se soucier de changements institutionnels nécessaires, avec le souci des plus pauvres, les premiers concernés. Je suis aussi sensible à l'idée de le faire avec d'autres, de nous laisser entraîner par ceux qui ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. L'esprit est déjà à l'œuvre, en dehors de l'Église. Le sens du service, ça suppose de le reconnaître, humblement, joyeusement, pour se laisser entraîner. Et il y a déjà de très beaux lieux pour ça qui me nourrissent, comme le campus de la Transition. Enfin, l'idée de l'avenir m'est très chère. Il ne s'agit pas tant de tout contrôler que de se disposer à le recevoir de Dieu,
Et ça, ça nous engage devant lui, tous ensemble. Je crois vraiment qu'en me laissant, avec d'autres, entraîner dans cette direction, j'apprends davantage à mettre mes pas dans ceux du Christ. Contre la tentation de servir une cause, la maison commune me renvoie au Père et à son dessein pour l'humanité tout entière. À mon tour, je confie une intention de prière en lien avec les quatre préférences apostoliques de la Compagnie de Jésus. Les exercices spirituels, les jeunes, notre maison commune et les plus pauvres. Et maintenant, nous allons dire le Notre Père dans nos langues respectives. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Nous vous remercions de ce temps de prière et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.